Que là, ça s'est plutôt bien passé, conditions vraiment délicates hier et aujourd'hui encore au matin. Vraiment, vraiment compliqué. J'avais rarement connu ce genre de choses, surtout en découvrant une voiture historique qui plus est propulsion. Mais on s'est bien amusé, en tout cas, jusque-là, tout roule. On est sur le podium provisoire. Il reste maintenant plus que deux spéciales et je croise les doigts pour aller jusqu'au bout. Je dirais qu'on a fait quelques erreurs, mais comme un peu tout le monde, on a eu un vrai rallye jusqu'à maintenant avec des conditions complètement différentes. Je pense qu'on a eu tout le panel du pilote de rallye quasiment, je dirais qu'on est assez satisfait du travail qu'on a fait jusque maintenant. On est sixième au général pour le moment. C'est sûr qu'à certains moments, il faut vraiment garder sous le pied, parce que tous les kilomètres depuis ce matin, il y a moyen de faire une faute. Que pensez-vous du tracé ? Bah, le tracé, comme chaque année, c'est magnifique de pouvoir faire ces spéciales terre, de faire une spéciale de 40 km. C'est très très rare en Belgique. Et puis ça se prête tellement bien aux conditions qu'on a eues, en plus avec des spéciales qui étaient à 80% enneigées, d'autres spéciales qui sont plus sèches, on roule sur la terre. C'est complètement varié tout au long de la journée et ça c'est magnifique. Les spéciales qu'on vient de faire dans la neige, ça c'est vraiment génial, on est beaucoup moins pénalisé, il n'y a pas de CP, donc chaque fois qu'on s'arrête et qu'on doit relancer la mécanique, c'est un peu difficile, mais les spéciales d'aujourd'hui étaient vraiment bien, franchement, bien amusé, très très piégeux évidemment, et quand tu vas chercher vraiment le dernier carat, comme les gars qui se battent tout à fait devant, tu n'es pas à l'abri de faire une petite faute, quoi. Donc c'est très compliqué. J'espère qu'on sera à l'arrivée, ce sera la 70e arrivée.
Non, la 65e arrivée sur 70 courses, avec la même bagnole depuis 12 ans. Et voilà. Je remercierai toute mon équipe, parce que j'ai vraiment une petite équipe autour de moi. Et mes copilotes, j'ai trois copilotes avec qui je roule habituellement. Et il faut vraiment le maximum pour que je puisse rouler. Écoute, c'était des légendes très difficiles, hein, avec beaucoup de changements d'adhérence, du brouillard, de la pluie, de la glace, de la neige, du mouillé, des rails, des graviers, enfin beaucoup de choses. Et donc moi je me suis pas soucié du classement, je me suis dit allez, je vais essayer de rester sur la route et de ne pas aller trop doucement, et puis on verra bien, et puis ça se passe plutôt bien pour l'instant. Il faut dire que je suis bien aidé avec la voiture qui est vraiment super, surtout aujourd'hui dimanche sur la Terre, où elle va super bien, et donc maintenant le but c'est de rentrer et si je suis top 10, bah, je suis ravi. Elle a été faite de haut et de bas. Hier matin, on s'est posé dans un mur de neige et on a perdu malheureusement 4 minutes. Et ici, on vient de s'y remettre aussi une fois pendant 2 ou 3 minutes. Donc malheureusement, on ne peut pas revendiquer une place dans le top 5 en faisant deux fautes comme ça. C'est dommage parce qu'on était franchement en train de faire une très belle remontée. Et... voilà, c'est un peu con. Elle n'était pas très posée, mais j'avais plus de démarreur et malheureusement, j'ai dû attendre que les spectateurs viennent me pousser. Donc on a perdu un peu de temps, mais... La base de ce rallye même, c'est l'amusement et honnêtement, avec des conditions pareilles, on en a pris beaucoup. Écoute, d'abord, j'ai eu beaucoup de plaisir. On espérait un terrain blanc, mais bon, ça a dégelé, il n'a pas neigé assez. Mais c'est du vrai rallye, c'est un très beau rallye, assez éprouvant pour les mécaniques. Il fallait viser juste, il fallait un peu épargner la voiture, mais sinon, on s'est vraiment bien amusé avec cette BMW 3 là, qui est une toute bonne voiture et ça m'a rappelé les petits souvenirs d'il y a une trentaine d'années.